Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er juin, enfin! C'est super beau, vous avez vu des petites images de mon pognon. Il y a des tons. Désolée pour ma voix. J'ai mes allergies saisonnières. J'avais le goût de vous parler un petit peu. J'ai été en retrait un petit peu pour vrai par questionnement. Dans mon dernier vlog, je suis allée chez ma coiffeuse et j'ai un rack pour mettre un sécuritaire, pour mettre mon téléphone pour le GPS. Et j'ai une application pour répondre à la voix si je veux répondre. J'ai eu beaucoup de critiques. Oui, un commentaire, je l'ai laissé, mais j'en ai eu beaucoup en privé. Désolée pour les motos, hein. Je suis à l'extérieur. Fait que j'ai eu beaucoup de questionnements face à ça. Je me disais, OK, il faut que je fasse attention quand je monte Marie-Flore parce que ça énerve les gens. Est-ce que là, j'ai fait un petit extrait dans un stationnement d'église vide. J'allais chercher mon père, comme je vous montre là. Mettons, vous voyez ce spot là-bas, là, mon père était là et j'étais ici, là, tu sais, c'est comme encore de kilomètres. Là, mon père était très malade, il avait très mal aux jambes, alors ça, il tentait pas de marcher. Oui, j'ai oublié le frein à main, mais ça, c'est typique à moi. Parce que moi, j'oublie plein de choses. Des fois, j'oublie même que je l'ai déjà faite, fait que je le refais encore. Fait que je me suis questionnée beaucoup. Puis je me suis dit, dans mon questionnement, que finalement, je plaisais déjà pas à certaines personnes. Il y en a qui me parlent plus. Qui m'ont jugé beaucoup, qui ont eu le droit de me juger sur des publications, sur des choses que j'ai mises. J'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup suivre. J'ai pas pu m'expliquer beaucoup avec eux non plus. J'aurais aimé ça. Y en a une, j'aurais aimé la revoir. On est comme dans la même région. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de questionnements. Puis je me suis dit, Caroline, ça va faire. Ça fait exactement 6 ans, depuis 2013 que ma chaîne est ouverte. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine que j'arrête vraiment? Non, parce que j'aime ça. Parce que j'ai plein d'idées, parce que j'ai plein de projets. Est-ce que je vais encore me faire critiquer? Oui. Mais je suis capable de vivre avec. C'est juste ce bout-là qui m'a blessée, t'sais, parce que ça ne m'a pas empêché de continuer à me pratiquer parce que je veux réussir à avoir mon permis de conduire, mais jamais je mettrais la vie en danger de personne. Jamais j'ai mon cellulaire avec moi dans mes mains. Et tout le temps, la dernière fois que j'ai pratiqué avec mon ami Normand, il était en arrière. Oui, j'avais ma montre, là, mais j'ai arrêté chez mes parents, puis j'ai regardé mes textes, puis tout ça, puis j'ai filmé un petit bout. Ou si je suis dans un stationnement ou quelque chose. Et si je vous filme en roulant, ben c'est parce que c'est pas moi qui conduis. Je voulais juste le spécifier parce que ça peut paraître un peu important pour certaines personnes. Et je suis contente aussi. Ça, c'est réglé. C'est fait. J'ai décidé de revenir. J'ai décidé de m'empêcher. Puis, non, oui, je fais pas la majorité de personnes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a même un bout où je me disais, est-ce que je bloque les commentaires? Mais non, je les bloquerai pas. Je les supprime pas parce que je trouve ça important de y accorder un peu d'importance et de rassurer les gens.
Et c'est important aussi de rassurer les gens. Fait que là, j'ai mes allergies, j'ai une phase dégueulasse. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que le mari adore encore un peu. Il est 9h29. Il doit être à veille de se réveiller. Moi, je me suis fait un petit café, je me suis habillée. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite robe comme ça. On se revoit à Montréal. On s'en va chercher ma maman. Avec mon papa, avec notre toit à moi. Le chat est parti avec. Mon papa va aller la chercher parce que je ne peux pas conduire seule. Et je vais conduire. Mais je vous filmerai pas ça. Ou je peux demander à mon père de filmer aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau aussi? Ben, demain, c'est mon tatou. Je vous avais posé en Instagram si vous vouliez avoir un vlog de ça. Il y a eu quand même pas mal de oui. Ben, je vais le faire. Mais je demandais aussi à Richard de filmer parce que c'était un petit peu difficile quand tu filmes toute seule puis que. Tu sais, j'aimerais vraiment vous présenter Annick. Puis. Tout ça. Excusez. Puis aussi, j'ai un nouveau téléphone. Alors, en fait, j'en ai acheté deux. Mais ça, c'est une longue histoire. J'ai eu une demande pour faire ce qu'il y a dans mon iPhone. Alors, je vais sûrement le faire. Alors, c'est un iPhone Corail. Je sais pas si vous voyez bien. Un iPhone Corail, un XR. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup, honnêtement. C'est sûr, je suis pas habituée. Hein. J'avais un iPhone 7 Plus que j'ai revendu chez Monsieur Apple. Et peut-être, ben, je dis ça, là, mais je vais peut-être m'essayer la petite jolie demoiselle qui vous a servi. M'a dit que j'avais des gros potentiels de pouvoir travailler chez Apple parce que j'avais l'air de connaître mon affaire puis genre je suis vraiment intéressée. Fait que peut-être appliquer. Mais ce que j'aime pas trop, c'est le carrefour là-bas. Je m'habitue pas. Mais bon. On verra bien. Puis aussi mauvaise nouvelle, il y a un autre prêteur sur gage qui vient d'ouvrir ici à Salins. Moi, ça me stresse. Mon collègue peut. Mais moi, ça me stresse un petit peu. Ça me fait peur. Ça me fait peur un peu parce que je me dis, je ne veux pas perdre ma job. J'aime quand même ça. Ça m'angoisse un peu. Mais on verra. On verra, c'est tout ce que je peux dire. On verra la vie, ce qu'elle va m'apporter. Puis confier ça. Confier ça. Prochaine réunion, bientôt des services aussi, ça j'ai hâte. J'espère d'être moins malade. Puis c'est ça, là ça fait 8 minutes. Avant de partir, j'ai de la vaisselle à faire, du lavage. Puis je veux vous faire des stories. Alors, ben, on se retrouve sur Instagram. Je vous mets ça, le lien à quelque part. Et on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde. Il est rendu 4 heures. Oui, je suis au volant, mais je suis en attente. Alors, je ne conduis pas. Fait que, on attend ma grand-maman qui est au Pharmaprix. Je suis à Montréal pour venir chercher ma mère. Fait que c'est moi qui conduis aujourd'hui pour m'en aller et m'en revenir. Fait que ça se passe vraiment bien. Je pourrais baisser mon volant un petit peu parce que j'ai la vue dans le front. Ouais, je vais lui montrer. Ok, voilà.
Fait que c'est ça, aujourd'hui il fait chaud, il fait beau, j'espère vous en profiter. Ce sera peut-être pas un gros vlog aujourd'hui, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Demain, je me fais tatouer, fait que je vous amène avec moi. J'ai vraiment hâte. C'est ça. Ouais, c'est mon vlog. Mon papa, il est là, là parce que ça me prend un chauffeur Disney. Alors, il est avec moi. Fait que c'est ça. Ça se passe bien, on n'a pas magané le char, tout va bien? C'est parti, on se reparle tantôt. Bonsoir, il est rendu 9h. 9h30, on vient d'arriver. Oui! Il va mouiller! Ben, c'est pas grave, là, on va sortir. On vient d'arriver de Montréal, je suis brûlée et j'ai plus de voix. Marie, laisse la porte ouverte. Ah oui, avance! Donc là, on s'en va jouer dehors un petit peu. Avance, d'où? Il mouille pas, là. Ben oui, mais là, il mouille pas. Tu peux jouer dehors. Fait que c'est ça. On a envie de venir de Montréal. On est allé voir ma grand-mère. Chercher ma mère, il y a des feux. Non, d'où tu restes? Oh, il n'y a pas de danger, c'est des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice, fait que Marie-Flore a peur. Fait que Marie-Flore, elle se cache. Marie? T'es où? Je suis ici. Bonjour. Viens-t'en. Je ne veux pas là, mais. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans le ciel, d'où? C'est juste des feux d'artifice. Donc, mes parents sont partis chez eux pour Snoopy. Fait que c'est ça. Fait que là, ce soir, je vais monter ce vlog-ci. Puis, demain, je vais en faire un autre avec mon tatouage. Je suis vraiment fatiguée, là. Vraiment, j'ai hâte que Marie se couche, là. Comme fou, on entend des bruits de pétards, c'est dégueulasse. Fait que, voilà. Ça fait un tout petit bruit, maman! Mais oui, mais c'est pas grave, Marie! Ça fait du bruit! Eh, voyons! Pas de danger! Fait que nous, on se reparle demain pour un autre vlog. J'espère que vous avez aimé ça, nous suivre aujourd'hui. Vous avez même vu dans le tour. Et nous, on se retrouve demain pour un autre vlog. Et je vous dis, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, peut-être juste me dire en barre de commentaires ou sur Instagram ou par les réseaux sociaux, Facebook et... Marie-Flore! Fait que nous, on se reparle très bientôt. Bye bye tout le monde. Tu dis-tu bye? Bye bye. À bientôt. À bientôt.